Ok, mesdames et messieurs, nous revoici repartis sur cette libre antenne. Il y a un mec qui m'a whispé trois fois, mais il est déjà validé ton projet My Major Company, il est déjà validé. Alors qu'en fait, non, il n'est pas validé, mais voilà. Après, peut-être que My Major Company, en voyant le nombre de gens qui sont allés visiter la page, se diront, putain, il y a trop de gens qui attendent qu'il soit validé, peut-être qu'il faut qu'on le valide, machin. Donc n'hésitez pas, allez sur la page, faites des actualisés, prenez des proxys, actualisez-le, et ce genre de trucs. Donc voilà. Alors, je regarde un petit peu ce qui se passe. Ouais. Akinator aime les fougères, la preuve en image. Votre personnage aime-t-il les fougères? En effet. Quelqu'un qui m'a fait un screenshot. Donc c'est bien sympa. Donc voilà. Bon, je vais appeler Lumi quand même, qui m'a fait le serveur Minecraft, qui est beaucoup trop sympa en fait. Allô? Allô? Eh bien, re. Rebonjour. Rebonjour. Donc nous allons mettre en place le serveur Minecraft. Ouais. Alors est-ce que tu peux m'envoyer l'IP en privé d'abord? Yeah, parce que sinon ça va être le bordel. Sinon ça va être la merde. Et donc voilà. Est-ce qu'on peut faire un copier-coller là-dessus? Genre si je fais lol et que je copie et que je l'écris là. Ah ouais, ça va. Ça va. Ok, donc ça c'est l'IP du serveur, très bien. Ouais, donc ça normalement c'est bon. Normalement je l'ai reboot, c'est bon. Hop. Mais tu veux pas ne pas autoriser les versions craquées? Parce que moi, bon... Oh, je peux pas bouger, qu'est-ce qui se passe? Mon dieu. Oh mon dieu. Ah oui, alors quand tu le rejoins, il faut que tu t'enregistres en fait. Alors il y a écrit, tu écris slash register. Et donc tout le monde va voir mon pass, c'est ça? Ouais, donc essaye de le cacher. Non, c'est bon, je vais le cacher, pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Register. Tu écris slash register et t'écris deux fois ton password. Avec un espace entre les deux. Ok, c'est bon, je suis enregistré. Comme ça, ah oui, comme ça tu pourras kicker des gens, c'est ça? En fait, c'est pour que. Bah, c'est surtout pour les versions craquées, par exemple, que. On puisse pas prendre les pseudos des autres, quoi. Parce qu'en version craquée, t'as juste besoin de mettre le pseudo. Alors là, je suis dans une jungle. Si les mecs qui viennent, mon pseudo, voilà. T'as fait quoi? Parce que je suis dans une jungle, il y a des léopards, j'ai déjà une épée, des haches et tout. C'est normal ça? Alors en fait, c'est juste les 4 outils de base qui sont mis par. Voilà. Ok. Bon, voilà, d'accord. C'est juste 4 bases. Ok, bah c'est donc cool. Pour l'instant, j'ai rien fait dessus. T'es sur le serveur, je t'ai pas vu. Ah, si, t'es là, ouais, t'es là. Salut. Ok, très bien. Alors, je sais qu'il y a des gens qui m'ont fait des skins. Hein. Là, je n'ai pas le skin, mais je sais qu'il y en a qui l'ont. Qui m'ont fait des trucs, donc je vous remercie pour ça. Alors, donc, est-ce que. Alors, ah oui, alors voilà. On peut pas débloquer. Alors, j'ai fait quelque chose pour faire en sorte que les personnes qui join ne peuvent pas encore casser les blocs. Ouais. Parce que j'ai peur que s'il y a 250 personnes qui viennent en même temps. Et qu'il y en a un parmi le tas qui décide de tout péter, ça va être le bordel. Ok. Alors moi je vais t'ajouter en admin direct. C'est Raptor admin. Donc là je peux péter des trucs? Non, pas encore. Je peux le mettre en builder déjà. Voilà. Là maintenant tu peux péter les blocs. Ok. Je comprends. Et donc moi comment je fais pour ajouter un mec en tant que... Alors, moi il va falloir que je me mette en tant que propriétaire, comme ça je peux te mettre en admin. Ouais. Et après en admin, il y aura une commande à écrire pour que ça ajoute la personne que tu veux dans le groupe builder. Et puis après il pourra casser et construire comme tout le monde, quoi. Il neige et il pleut en même temps, quoi. C'est une catastrophe. Genre sur l'herbe il pleut et il neige. Pleut, neige. Bon, est-ce que tu es prêt pour faire un stress test de ton serveur? Bah vas-y, bah tu peux lâcher l'IP, on va voir comment ça se passait. Alors mesdames et messieurs, attention, allez sur votre client Minecraft. Je vais vous donner l'IP du serveur. Attention, ne foutez pas la merde tout de suite s'il vous plaît. Ça alors, va attention, être dangereux. Ça va être dangereux. Voici l'IP mesdames et messieurs. 94.23.194.207.25000. Ok, il y a déjà un mec qui est dessus, super. Alors, donc là on a un seul mec qui a join, mais il est où?
Ah voilà, ça y est, ça arrive. Bah bla 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 bla. Si ça rejoint plus, je sais pas. Là, j'ai le. Mas, genre. J'ai le gérant de Crystal Surf qui me parle sur Steam et qui crée OMG devant. Je vais tous vous tuer. Oh, voilà. Le monde qui a, ça va laguer ici. Oh là là. Ah oui, ça va laguer, oui. Attends, est-ce que je peux casser des trucs? Ah, ça lague pas encore, hein. Pour l'instant, c'est nickel. Non, non, bah. Alors là, franchement, c'est vraiment très gros comme serve. Là, la mémoire qu'il a mis dessus, ça devrait okay. Très bien tourner. Ils sont les milliers. Oh là là. Sonnez l'alerte. Ah bah là pour le coup ouais quoi. Oh, il y a encore masse de gens qui se connectent, hein. Il y a d'autres gens qui left et tout. Donc je vois des gens que je ouais, connais. Parce qu'en fait si tu t'enregistres pas directement ça te kick au bout de quelques secondes. Donc okay. Bon, faut penser à vous voilà. Donc mesdames et messieurs vous entrez, vous faites register espace deux fois votre passe et... Enfin slash register espace deux fois votre passe. Et ça vous permettra de vous déplacer un petit peu. Il y a masse de gens mais c'est un truc de fou quoi. Bon on pourrait faire un cache-cache à la limite. Ouais, donc pour l'instant, les gros tardes qui ont pas compris qu'il faut register, ils se font kick, hein, voilà. T'inquiète, t'inquiète. C'est bien, ça fait un filtrage déjà. Oh, meurs! Oh la vache! Oh! Meurs! Et moi, je peux pas tuer les gens vu que je suis admin? Alors, j'ai enlevé le PVP parce que raison. Sinon, non, ça va être raison. Bordel aussi, quoi. T'as tout à fait raison. Meurs, meurs, meurs! Là, y'a un zombie qui est en train de tuer tout le monde. Bon. Donc du coup, comment on fait? Bon, au moins t'as réussi à faire un serveur. Et donc là, il y a combien de places sur ce serveur, tu m'as dit? Donc là, c'est limité à 250. Ok. Bah, je crois qu'on va. Doit... déjà ouais. Franchement pas mal. Je quoi. Pense qu'on est 250, honnêtement. Ah, il y a Vision Elf. Salut Vision Elf. Salut. À mon avis, on est 250. Ah, il y a un mec en T2 paladin, j'ai l'impression. Il hein. Y a Pédobert. Il y a des mecs qui ont des skins assez intéressants. Il y a des gens qui m'ont envoyé des skins. Envoyez-les-moi sur Facebook et surtout expliquez-moi comment on les installe, s'il vous plaît. Et offrez-moi une image du skin avant. Genre vous m'envoyez genre tiens regarde mon skin il ressemble à ça, je te l'ai fait et tout. Et après vous m'expliquez comment l'installer et comment le faire et tout. Bon, il y a des gens qui sont à la piscine là. Bon, est-ce que tout le monde pourrait venir? Oh, putain, on est tellement il y a masse de gens. Est-ce que tout le monde pourrait venir à la piscine là, la piscine du début, comme ça pour qu'on puisse voir. Alors, un peu combien on est. Ce que je peux faire, c'est que je peux trouver un biome plein en gros qui est vide et je ouais. Vais mettre un spawn dessus et tout le monde va venir dessus. Mais il faut que tu redémarres le serveur, non? Non, non, ils ont juste à faire slash spawn. Parce que là, là, on est dans la forêt, on voit pas tout le monde. C'est vrai. Alors, bon, je vais juste mettre un slash spawn dans une plaine, comme ça on verra le monde qu'il y a. Ouais, voilà. Ça va être marrant. Donc là, t'es en train de chercher une plaine, c'est ça? Ouais, alors là, c'est bon, j'en ai une. Je vais mettre un slash spawn. Vous aurez juste à écrire slash spawn et vous avez tous vos TP. Tu nous dis quand c'est bon. Et on ira dessus. Hop. Oh la vache. Je vous mets en plein écran les amis parce que ça vaut le détour franchement. On est masse. Alors il va falloir que je... Oh la vache. Je change juste un fichier. Normalement j'aurais pas besoin de le reboot. J'ai juste à faire un reload. Il y a des gens qui ont des super skins quand même hein. C'est super stylé quoi. Là ça commence à laguer j'ai l'impression. Alors ouvrir, je vais mettre ça, je vais mettre. Ah, il y a un mec avec des lunettes voilà. Là-bas. Voilà. Oh la vache. Envoyer. Oh la vache. Oh putain. Ah, il y en a qui ont pas trouvé la piscine, mais on les voit quoi. Ah merde, j'ai drop mon épée, merde. C'est bon. Ok, je vais prendre un petit peu de hauteur. Ah, je peux pas construire s'il y a un mec dessus. Merde. Ah, je peux pas construire. Je peux casser, mais je peux pas construire, c'est ça? J'ai pas l'autorisation. Oh, what the fuck, je suis coincé. Je ne sais pas. Je suis coincé. Ah, on a été déco. Alors, je crois. La config est pas encore optimale. Flame, faut juste que je vérifie 2-3 fichiers et puis après ce sera bon. Je me suis fait kick du serveur. Mon dieu, je suis coincé, laissez-moi passer. Putain. Ah my god. Bon. Please login with login password. Ah putain la vache. Ah donc après quand tu reviens t'as juste à faire slash login et écrire ton password et puis ça sera bon. Ok. Alors attends. Mais ça me kick en fait. Ah c'est bon. Je suis libéré.
C'est bon. Je suis complètement libéré. Ils sont des milliers, sonnez l'alerte. Ils sont les milliers, sonnez l'alerte. Alors tu la trouves la plaine ou pas là? Où en es-tu? Alors je suis dessus, mais alors wow. J'ai oublié de me mettre des droits, donc je vais me les rajouter. Wow. Je vais te les mettre à toi aussi au passage. Trop classe. Bon, moi je vais chercher une plaine aussi, on y va. Go, plein écran, c'est bon, je vous passe en plein écran, mesdames et messieurs. Voilà. Ah! Donc là, tu nous as tous TP? Non, je t'ai TP que toi. Okay. Alors là, maintenant, ils ont qu'à te retrouver pendant que je fais les commandes. Comment je fais pour voler, moi? Alors, pour voler, je pense pas que ce soit. Tu peux pas le faire encore, faut que je te mette admin. Je vais reboot le serve sûrement d'ici 5 minutes. Non, mais vas-y, pas de soucis, tu le feras plus tard, y a pas de problème. Donc, est-ce que tu peux tous nous TP là où on est là? Je vais avoir du mal à TP tout le monde. Je sais pas s'il y a une TP pour all, mais. Slash TP all, non? Quelqu'un qui m'a expliqué que je devais faire cette commande tout à l'heure. Et ça va pas faire crasher le serve si on fait un slash. Alors j'ai essayé de le faire. Je sais pas si tout le monde. Non. Je sens que ça va être la merde. Ouais, y a pas la TP pour all, mais. TP all. Oh, ça y est! J'ai TP tout le monde! Oh! Oh! Oh putain! Alors j'ai entendu le bruit, mais je. Oh mon dieu! J'ai TP tout le monde! C'est bon! Ça y est! Tout le monde est là! Je te cache pas que là c'est un. Ouais, bon. Non, mais c'est normal que ça lague un peu. Quand tout le monde collé là. Non, mais c'est normal que ça lague un peu. Bon, il y a masse gens du coup! Oh là là, le bordel! C'est parfait! On est masse! Oh là là. Ils sont les milliers! Sonnez l'alerte! Et donc il va falloir qu'on autorise à chacune de ces personnes, une par une, de casser des blocs, c'est ça? Alors, j'ai bien peur de devoir faire ça, ou bien du coup je les mets tous par défaut qui peuvent. Non, je peuvent pense le pas. Faire. Je pense qu'il vaut mieux. Si on tombe pas sur des trolls d'un coup. Non, je pense qu'il vaut mieux. Oh putain, il y a un creeper là. Je pense qu'il vaut mieux le faire un par un, mais pas aujourd'hui, tu vois. Là, c'est un peu en mode on se rassemble tous, ouais, c'est rigolo. On fera plus tard. Mais, parce que là, c'est vrai que. Voilà. Donc, notez l'IP chez vous si vous voulez noter ce serveur. Eh bien, pour rejouer avec nous un jour. Eh bien, on fera toute une zone. Enfin bon. Bon, bah en tout cas, Masse Jean. Et c'est super sympa de votre part de m'avoir donné ce serveur en tout cas. C'est vraiment sympa. Je vais boucher la piscine. Alors moi normalement je suis en honneur, c'est bon. Alors tu sais ce qu'on va faire, je vais prendre d'autres gens pour la libre antenne. Et on se parlera sur Skype, ok, pour tout ce qui est du serveur pour la suite, d'accord? Ah, pas de problème, allez. Bon, mais merci beaucoup à toi en tout cas pour ce serveur et on se reparle très très vite. Ok, bah de rien. Allez, salut, merci beaucoup. Allez, salut, ciao. Ah, mesdames et messieurs, c'est extrêmement sympa. Nous allons décrocher avec quelqu'un qui s'appelle Goldwood. Allo. Allo. Salut. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, que voulez-vous? Je voulais savoir, en fait, c'est depuis juste l'après-midi que je vous connais. D'accord. Ça fait à cause de, grâce à As de Pique, qui a fait, qui fait sur YouTube des petites annonces de live, et puis tout à fait. Fait avec, qui avait annoncé le live avec toi et Fuka. Piano. Voilà. Ouais, c'était hier. Oui, que j'ai pas pu regarder malheureusement. Ah, il était top. Ouais, dommage. Mais ce sera sur YouTube rediffusé, hein, t'en fais pas, hein, y a pas de souci. Ok. Et je voudrais savoir si un jour tu pourrais. Oui. Pour pouvoir parler avec la team Patrick. Alors, je sais pas si j'ai entendu tout ton message, j'ai entendu juste est-ce que tu pourrais et Team Patrick. Donc c'était quoi? Ouvrir un TS, faire un serveur? J'ai pas compris. Non, juste m'arranger un coup, juste pour que je puisse parler avec eux. Ah et tout ça, parce que je suis un grand fan des Patrick, surtout d'Aipierre. Ouais. Je regarde aussi souvent As de Pique, Tech et tout ça. Et j'aimerais savoir si un jour tu pourrais me faire parler avec eux. Je sais pas, j'imagine que oui.
Écoute, ce que je te... C'est quoi ton pseudo? Goldwood. Ce que je te propose, c'est d'être là au prochain live Minecraft que je fais avec As de Pique et Fucano. Et je leur en parle, ok? Ok. Voilà, voilà ce que je peux leur dire. Tu le fais quand, ton prochain live? Je sais pas exactement. Alors, ce que je peux te dire, c'est qu'il y en aura probablement un mardi soir. Mais il y en aura sûrement un autre dans la semaine. Donc, pour ça, tu regardes le programme qui est sous la page de la Web TV que tu as dû voir. Et sinon, bah, je pense que As de Pique et... Oh putain, il y a Taz. Je pense que As de Pique et Fucano feront des annonces sur leur YouTube. Donc, si tu suis leur chaîne, il n'y a pas de problème. Tu devrais pouvoir l'attraper, je pense. Ok, d'accord. Voilà. Donc, Goldwood. Ben, merci. Je retiens ton pseudo et je leur en parlerai, d'accord? Ok, merci. Ben, de rien. Et à la prochaine, du coup. Bah oui, à la prochaine, alors. Allez, salut. Merci d'avoir appelé. Ciao. Et voilà qui est fait. Nous allons décrocher auprès de François qui m'appelle depuis pas mal de temps. Et allô? 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 Oh oui! Oh oui! Oh mon dieu! Je vous aime d'abord. D'accord, très bien, moi aussi. Je suis très surpris de t'avoir parce que ça fait maintenant 1h30 que j'essaie d'appeler. C'est vrai, j'ai vu passer ton pseudo pas mal de fois, je me suis dit, allez, oui, je vais décrocher. Non, mais je te floude depuis tout à l'heure. Très bien, très bien. Et ben tu vois, c'était pas en vain. Exactement, j'adore. Donc ouais, donc petit message pour te dire que dans un premier temps je t'aime beaucoup. D'accord. Ensuite beaucoup d'encouragement pour ce que tu fais parce que c'était quand même un gros pari de partir tout seul comme ça. C'était pas évident en effet, mais ça a l'air de bien se passer pour l'instant. J'allais dire partir en claquant la porte, même si c'était pas parti en claquant la porte. Pas ce que tu veux dire. Et partir comme ça, voilà, donc gros taf de ton côté. Et j'avais une question, c'est que on va te demander toutes les villes de France. D'accord. Donc quelle est la tienne? Pour ta tournée nationale, et la mienne c'est Toulouse. Donc, Toulouse. J'ai vu déjà dans l'IRC des gens qui disaient ouais Toulouse et tout. Donc Toulouse, voilà. Ok. Bah Toulouse, je sais qu'il y a le Toulouse Game Show, un truc comme ça à Toulouse, non? En effet, gros TGS. Donc ça peut être un truc, tu vois, typiquement où je peux aller. Après, je sais que Lège habite à Toulouse. Et Oui, il est originaire de la région, ouais, de l'Avoir ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, ouais. Et il nous avait déjà dit, ouais, moi, machin, un jour on peut aller chez moi, c'est trop classe et tout. Et donc je sais qu'il nous avait invité à passer un petit bout de l'été chez lui. En plus, on tape soirée chez Lège à Toulouse. Putain. Voilà. Tout donc, ensemble. On pourrait faire d'une pierre deux coups. Et voilà, quoi. Donc c'est pas du tout un truc qui me... Voilà, qui me... Ouais, j'imagine. C'est pas du tout... Attends, qu'est-ce que je voulais dire? C'est pas du tout un truc que je... Enfin bref, il est possible que je vienne à Toulouse. Voilà, voilà le résumé. C'est que je suis plutôt content de cette réponse. Vu que j'ai perdu mes mots. Voilà. Ok. Bon, voilà, bon, je vais laisser la place aux autres viewers qui doivent attendre comme moi depuis 1h30. Ouais. Mais en tout cas, ce message était complètement inutile, hein, sache-le. Hein, mais voilà, non, pas du tout. J'ai pas posé de questions, j'ai rien dit. Mais y'a pas de soucis, tu fais ce que tu veux. C'est juste pour, te faire un gros bisou. Parce qu'il n'y a pas de problème. T'es le meilleur. Bah merci en tout cas de tes encouragements. Sache que ça me va droit au cœur et que c'est toujours très important. Bah ouais, j'imagine. Et merci bon beaucoup. Ben, ciao. Et attends, je peux faire un coucou à quelqu'un? Mais bien sûr. À Dario Donche. Ok. Qui est cette Parce personne que, c'est un pote à moi, on te regarde tout le temps ensemble. Ok. Et du coup, voilà. D'ailleurs, je suis avec lui sur le même bull là, on est content que je passe tous les deux. Voilà. Enfin bref. Okay. Bon courage pour la suite, je continuerai à te suivre et reste le même. Ben merci, c'est cool, ça, je compte pas changer donc tant mieux. Bisous Zerator. Allez, salut, merci à toi. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, merci. Bisous. Allez, ciao. Ciao. Bon, alors. Donnez-moi vos pioches là, donnez-moi à bouffer, j'ai plus de bouffe, c'est la merde. Ah, y'a de la rotten flèche là, attendez. La rotten flèche, non? J'ai pas réussi à la loot. Merde. Amenez-moi de la bouffe. Vous voyez où je suis? Amenez-moi de la bouffe. Que l'on m'amène de la bouffe. Attendez, je vais me faire un hôtel de Zerator. Pas du tout prétentieux ce type. Qu'on m'amène à manger sur mon hôtel. Voilà, je vais mourir de faim pour toi Zera. Qu'on m'amène à manger. Ah mais il m'a redonné de la bouffe je crois. On peut voler. Pour voler fait slash fly. Ok. Slash fly. Wouhou. Merde, comment on vole? Fly mode activé pour Zerator. Mais après comment je vais en l'air?
bien quelqu'un qui va trouver comment me dire. Saute deux fois. Ah ouais, nice. Ok. Ok. Woo-hoo. Bon, vous êtes masse, hein. Vous êtes masse actuellement dans le jeu. Et on va prendre d'autres appels puisqu'il est bientôt 18h. C'est bientôt terminé. Mais avant, nous allons prendre quelques appels. Voilà. Il y a Masse Graphiste qui m'appelle. Vous êtes cons, les mecs. Alors, voyons voir. Allô. Allô. Manon Lucas, oui. Allô. Vous êtes cons. Générateur. Oui. Oh putain, j'essaye une fois, j'arrive à t'avoir. Bah ouais, je trouvais ta photo super mignonne. Donc peut-être un peu plus sans. Oh putain, j'essaye une fois, j'arrive à. Non, attends. Tu as le stream en écho. Peut-être. Désolé pour ma voix, peut-être un peu plus aiguë que les autres. Mais y a pas de problème, de 7 à 77 ans. Ah ouais, ça va, je passe. Je voudrais savoir si tu vas refaire un. Enfin, pas un let's play, mais un peu comme tu faisais avec Far Cry. Ah ouais, tu veux dire jouer à un jeu et avancer dans le jeu, etc. Ouais. Oui, bien sûr. C'est un truc que je compte refaire. Alors, je peux pas te dire sur quel jeu pour l'instant, parce que même moi, je sais pas trop. Mais c'est évidemment un truc que je compte refaire, ouais, carrément. Ça m'avait. Et tu comptes plus, faire des concours de PEX sur Allot ou même sur des Allot, autres MMO. Sur Allot, je pense pas, parce que l'avantage de WoW, c'est que c'était un MMO assez connu et on avait Blizzard qui nous appuyait derrière avec les cartes prépayées, machin. Mais c'est vrai que Allot, j'y pense pas trop sur Allot, honnêtement. Concours de PEX, je sais pas, mais en tout cas des walkthroughs, comme on appelle ça, ou des playthroughs sur le jeu Far Cry, ouais, ça carrément, ça me plairait bien. Ok. Tu comptes voilà. Les faire sur quoi? Peut-être le nouveau Far Cry, la Blood Dragon? Ouais, j'ai vu que Blood Dragon, là, il y a pas mal de gens qui m'ont parlé de ce truc, donc pourquoi pas. S'il y a des quads, moi j'ai envie de dire go, mais mais s'il y a pas de quads, on verra, hein, je sais pas. Faut que je teste un petit peu, voir ce que ça donne ce jeu, voir s'il y a du potentiel, on va dire. Ok. Et ouais. Ceux-là, tu le mets pas sur YouTube? Les lives, tu les mets plus. Si, je les mets tous. C'est juste qu'en fait, vu qu'il y a tellement de vidéos, on peut pas tous les mettre d'un coup. Et voilà. Mais ça va arriver au fur et à mesure. Si, il y aura tous les lives sur YouTube. Ok. Voilà. Bon, bah merci. Bah de rien. Et merci de me suivre, en tout cas. C'est sympa d'avoir appelé. Ouais, c'est mon cousin qui m'a fait découvrir parce que c'est un grand joueur de LoL et puis. D'accord. Je kiffais comment tu gueulais tout le temps. Bah écoute, bah merci à ton cousin alors qui m'a amené un viewer en plus, ça fait plaisir. Et j'espère que tu t'aimeras toujours autant ce que je fais, et voilà tout ça. Dédicace à Chewbacca alors. Dédicace à Chewbacca, voilà. Parfait Chewbacca. Merci. Bon, merci à toi. Merci à toi Manon Lucas et je te dis à la prochaine du coup. À la prochaine. Allez, salut, merci. Salut. Bon, mesdames et messieurs, je suis sur un hôtel là au milieu de l'eau. Venez toucher l'hôtel là. Est-ce que vous allez réussir à toucher l'hôtel avant 18h? C'est ce que j'ai envie de vous dire. Donc venez, je suis sur ma tour là, tranquillement. Donc je vous attends. Allez, venez toucher ce gros truc là. En haut, regardez, ils arrivent. Hop, alors attendez, hop. Je me remets là. Et on va prendre d'autres. Regardez, on dirait des zombies qui arrivent sur un truc genre. Cerveau. Regardez. Cerveau. Avec le lag en plus, on dirait qu'il se développe en. Qu'il se déplace en tout petit. Cerveau. Cerveau. Coordonnées, please. Non, je vous donne pas de coordonnées. Allez, on va toucher le bâtiment, Zerator. Cerveau. Ils arrivent. Cerveau. Et on va prendre un dernier appel, mesdames et messieurs. Ce dernier appel, ce sera. Charles Humbert. Allô. Allô. Allô, oui. Bonjour. Salut. J'aurais une question. Est-ce que t'as déjà rencontré Jiraya en IRL? Enfin, est-ce que tu as déjà parlé sur Skype ou? Oui, bien sûr. On fait des choses ensemble quelquefois sur Skype. Et tu as streamé avec lui dans cette semaine? Cette semaine, je pense pas, mais il est possible que je stream avec lui un jour, en effet. Ok. C'est possible. Et aussi, je voulais te dire un truc, c'est qu'en fait, vu que moi, je t'ai découvert grâce à Eclipsia. Ouais. Je voulais juste dire ta photo, enfin la photo qui pour te présenter sur Eclipsia, elle fait peur. Ouais. J'ai pas.
t'as ouvert le stream et tu t'es dit ça y est, ça va être un stream d'horreur. En fait, pas du tout. En fait, c'est un stream de Minecraft. Ouais, non, mais je t'ai découvert il y a une semaine. Et voilà. D'accord. Et je trouve que c'est maintenant t'es mon streamer préféré. Et... Bah écoute, merci, c'est cool. De rien. C'est bon, je suis tombé, mais tout va bien. Bah écoute, merci beaucoup de ton appel et j'espère du coup à bientôt. Merci, au revoir. Ok, merci, salut. Bonne. Merci. Bon, et eh bien, mesdames et messieurs, il est. Oh, ça fout le lag. Il est 18h, cette libre antenne arrive à sa fin. Vous êtes beaucoup à avoir atteint l'hôtel, le fameux hôtel que nous avons érigé dans l'eau. Oh, ça fout le lag, il y a 2 FPS, je ne sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, et eh bien voilà, c'est fait. Nous avons un serveur pour la communauté de la Zerator TV. Nous avons eu une libre antenne, nous avons eu d'autres choses comme ça. Et la Zerator TV ne s'arrête pas. Au contraire, elle continue. Ah oui, oui, elle continue la libre antenne. Non, elle continue pas la libre antenne. Visionnel va reprendre le stream, mesdames et messieurs, pour faire du mapping StarCraft 2. Si vous avez des idées pour, eh bien... des idées pour faire des maps sur le Funcraft, eh bien, il n'y a qu'une seule adresse, c'est VisionElf, que vous allez pouvoir, eh bien, retrouver juste après. Mais vraiment juste après, hein, c'est pas genre pas juste après ou quoi que ce soit. Non, non, c'est tout de suite après ce live. Donc là, il est 18h01, et donc là, je fais la pause de 10 minutes, comme d'habitude, et VisionElf reprendra à la fin de la pause des 10 minutes pour son live mapping avec VisionElf. Si vous avez des conseils à lui donner, si vous avez des conseils à lui demander, si vous avez une map que vous aimeriez créer sur StarCraft 2, et bien vous y allez, et demain cette map on la joue au Funcraft, comme ça c'est hyper simple. Donc voilà, ce t-shirt n'a aucun sens, rappelez-vous que ce live non plus. Merci à tous d'exister et de faire que ce projet existe. Tout le monde vous remercie, bien sûr l'équipe de la Zerator TV qui existe, c'est une vraie équipe, vous remercie énormément. Petite dédicace aux graphistes, aux viewers, aux streamers, à tous les gens qui font que cette TV existe de jour en jour. Et voilà, et dès que le projet My Major Company est validé, je vous envoie un lien Facebook. En tout cas, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi et tout ce que vous permettez de faire. Donc voilà, on se dit, mesdames et messieurs, à demain pour les lives. Et d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas que je serai toujours plus con que vous. Allez, salut. Ah oui, on a le fameux bug Skype et tout avec le freeze machin, et donc ça arrive maintenant.